Bonjour à tous. Eh bien, tout le monde a vu le débat sur les ambitions de notre président Hollande, de son gouvernement. On attend la croissance. On attend la croissance, comme si la croissance allait tomber comme ça du jour au lendemain. Mais où on va? C'est pas se foutre de la gueule du monde. Si moi je devais attendre la croissance pour avancer dans la vie, aujourd'hui je serais dans la merde comme la France est aujourd'hui. Faut arrêter. Moi je dis, il faut foutre le gouvernement d'aujourd'hui, même ceux de la droite qui étaient avant, tout le monde à la porte, et mettre des mecs, des gens qui ont la niaque, qu'on arrête de regarder sur les pays voisins, qu'on arrête de regarder sur l'Allemagne, qu'on la Hollande, les Italiens ou les Espagnols, tout ce que vous voulez. La France, c'est la France. On a assez de problèmes comme ça. Chaque pays a sa géographie. Chaque pays a ses problèmes. Réglons les nôtres d'abord. Montrons-nous plutôt l'exemple aux autres pays que de prendre exemple sur les autres pays. On est un pays riche. On a des gens qui savent travailler, qui ont du savoir-faire. Alors arrêtez d'aller toujours regarder ailleurs. Moi je dis aujourd'hui, pour relancer, comme on dit, la machine, la croissance, eh ben, il faut revenir comme dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Il faut remettre les retraites où les gens partent de bonne heure à 55 ans, 57 ans. De façon à que les jeunes se lancent dans la vie. Aujourd'hui, un jeune de 25 ans, même qu'il a des diplômes, il est sur le carreau et il traîne les rues. Ça sniffe, ça se drogue, ça fume. Ils savent pas quoi faire de leur peau. Faut arrêter de prendre l'excuse de dire la longévité, nanani, nanana. Ça, c'est des excuses, c'est des bonimars. Parce que vous avez. C'est la façon la plus facile. Moi, je dis. C'est tout ça, c'est de la foutaise. Faut prendre le taureau par les cornes. Parce que c'est bien beau, vous mettez les seniors à vouloir travailler plus longtemps. Mais quand une personne à 55 ans paraît trop vieux pour une entreprise, qu'elle trouve plus de boulot, qu'elle a 5 ans de la retraite parce qu'elle a été licenciée, après elle se retrouve au chômage, elle utilise ses droits, après elle se trouve au RSA si elle y a droit, tout dépend si sa femme travaille, il perd sa dignité parce que les 4-5 ans qui lui restent, puis cette personne-là, elle n'a plus de revenus. Et en plus de ça, du fait que c'est du RSA, ses années ne seront pas cotisées. Ça veut dire que quand il aura 60 ans ou 62 ans, sa retraite sera toujours basée sur les 35 ans avant qu'il soit licencié. Et c'est ça la France. C'est ça faire travailler les gens plus longtemps. Dire aux seniors de s'investir, et puis hop, leur promet mille merveilles, et puis qu'à la fin, ils n'auront même pas un centime. On va se foutre de la gueule du monde, ça. Moi, je dis, il faut un 1068 x 2. Il faut que ce soit les gens du peuple qui reprennent les rênes. Et non le gouvernement, le MEDEF et toutes les autres racailles là, qui décident pour nous, alors qu'ils ne savent même pas tenir un marteau. Ils ne savent même pas diriger leur... diriger la France, comment on va dire. Ah, le papier, donner des idées, tout le monde dit que c'est facile. Mais mettre en application des idées qui vont avec la réalité, ça c'est une autre chose. Moi, j'invite les jeunes à faire un mai 68. Parce que eux, comme ils sont encore sous la tutelle de leurs parents, ils n'ont pas de revenus, ils ont juste à perdre des journées d'école. C'est de se mobiliser, d'aller foutre le bordel en rue, dans la rue, montrer votre mécontentement, parce que c'est votre avenir qui joue. Vous imaginez, vous les jeunes, qui avez du mal à trouver du boulot, si à 25 ans, votre premier emploi, vous venez à le trouver, qu'est-ce qui vous garantit que l'emploi que vous aurez aujourd'hui, vous allez le maintenir pendant 40 ans ou 45 ans? Rien. Vous allez avoir de plus en plus de travail à fournir pour avoir peut-être rien à la fin.
faut pas oublier que toutes les périodes de chômage qui sont indexées en dessous de la valeur d'un revenu ne sont pas cotisées pour les retraites. Ils seront validés, mais pas cotisés. Ça veut dire que les années-là, il faudra devoir les retravailler. C'est pas se foutre de la gueule du monde, ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on cache plein de choses aux Français. Alors, fait croire que la vie va être comme ça, qu'elle va se dérouler à merveille. Mais la vie, c'est pas un tapis rouge où tout se fait, hop, je rentre dans mon travail jusqu'à mes 60, mes 65 ans. C'est fini les années 45 où il y avait des périodes où que les gens travaillaient dans une entreprise jusqu'à la fin de leur carrière. Aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc qu'une personne qui trouve un emploi, l'espérance d'un travail dans la même entreprise est basée sur peut-être 5-10 ans. C'est le marché qui veut ça. Et on le voit bien par rapport aux années précédentes. Alors moi je dis, si dans une carrière de 45 ans, on doit avoir une dizaine, une vingtaine d'années de chômage, ben parce que les gens-là, ils auront à la fin du mois en retraite 500, 600, 800 euros. Et vous leur dites de... Parce que, soi-disant, la longévité, elle est d'actualité, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Cherchez des autres solutions.